Le deuxième texte de la circonstance se trouve dans le livre de Romains, en son chapitre 15, du 8e au 13e verset. Romains 15, 8 à 13. Méditons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne La Voix de l'Éternel Dieu pour la suite du développement de notre thème qui a été présenté tout à l'heure par notre frère Ramon Parfait. Sur l'explication de quelques mots. La deuxième partie concerne le peuple de Dieu qui développe qui est Dieu, qui est le peuple de Dieu. Le thème dit heureux le peuple que Dieu choisit pour son héritage. C'est le livre de Psaume 33, verset 12 qui nous le dit. Pour bénéficier du bien-être et des bienfaits de Dieu, il faudra le connaître. Comme le dit Osée 6, verset 3. Osée aïzen taton, aton, aforide aton. Connaissons. Menitum. Cherchons à connaître l'Éternel. Menibanatum, mavo, mavo. Mais qui peut enseigner Dieu lui-même? Mais quand si gantons nous, mao, dessous. Qui il est? Nous ayons. Qui peut enseigner comme Dieu lui-même? Mais quand on est au mao, berotor dessous. C'est Dieu même qui peut nous enseigner. Qui il est lui-même. À Moïse, là, il a révélé. Moïse. Dans Exode 34, verset 6. Nous citons. Et l'Éternel passa. Il passe devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité. La rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième génération. Cette déclaration de Dieu à Moïse est pour nous mérite de nos jours méditation. Pour ne jamais oublier la vertu et le caractère de notre Dieu. Faisons attention à nous-mêmes. Dieu le même hier. Aujourd'hui et le sera éternellement. Prenons garde à nous soustraire à ces paroles venues de Dieu lui-même. Prenons garde d'endurcir notre cœur et de reléguer au passé ces paroles sacrées. Peut-on le connaître sans connaître son nom? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Et toute la sûreté. Moïse a vu la gloire de Dieu. Sous la forme de la flamme dans un buisson ardent.
Et Dieu appela Moïse du feu à Adam. Dans les autres 3, verset 6. Il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton père, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quand Moïse voulait savoir le nom de Dieu, Dieu lui a dit, je suis celui qui suis. Celui qui s'appelle je suis. Je suis la lumière. Le chemin. Ali. La vérité. Nubo. Et la vie. Il s'est fait connaître à toi. Tu l'as accepté déjà? Aouïa. As-tu renoncé à tes mauvaises pratiques? Et les mauvaises œuvres que tu fais, Dieu est lumière et n'a point de ténèbres. Le nom de l'Éternel en hébreu est YHWH. Qui signifie je suis celui qui suis, celui qui existe par lui-même. Dieu, personne n'a créé Dieu. Dieu existe par lui-même. Ces quatre lettres sont traduites par le mot Yahvé en français. C'est le Dieu qui décrète. Dans Genèse 1, chapitre 1, verset 26, il a dit, nous comptons à foyer de quoi donc nous pour faisons l'homme à notre image. Sous le nom de Yahvé, Dieu rétablit l'alliance entre l'homme et lui-même. Yahvé signe comme allait nous dire pour le mal pour bête le coup. Le nom Dieu est en rapport avec la rédemption. Oh, il comme moi et nous quand tu tiens pour les gants pour lorsque Dieu rétablit rachat de l'homme quand il a péché. Il l'a revêtu de peau. Pour signifier que pour être justifié, il doit avoir un sacrifice. Dieu met en évidence son caractère. Il est un Dieu saint. Dans Lévitique chapitre 11, verset 44 à 45, il a dit, il a dit, je suis un Dieu saint, votre Dieu, sanctifiez-vous, vous serez saint car je suis saint. C'est un Dieu qui n'a pas le péché et comment ce qu'il aime. Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne fait acception de personne. Il dit dans Deutéronome 10, verset 17, je suis l'Éternel, votre Dieu, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu terrible, qui ne fait accession de personne, qui ne reçoit pas de présent. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. La crainte de l'Éternel est la haine du mal. Proverbe 8, verset 13. Qui est Dieu, demandons-nous? C'est un Dieu insondable. Plusieurs autres noms de Dieu nous révèlent comment il aime les hommes. Il veut satisfaire tous les besoins de l'homme. Quand nous disons Jéhovah Jiré, c'est un Dieu qui pourvoit. Effectivement, il a pourvu au sacrifice qui nous a sauvé la vie. Il a envoyé son fils Jésus-Christ qui est venu nous racheter par sa mort sur la croix. C'est un Dieu qui guérit.
Il s'appelle Jéhovah Rapha. Bon, quand on Jéhovah Rapha. Il nous a guéri le corps. Et nous nous a guéri aussi notre âme. Et nous avons dit, qui était mort par le péché. Par sa force, nous a guéri. Bon, on entend d'ailleurs, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a guéri. Bon, oh, Jésus-Christ, c'est un Dieu qui combat. S'appelle Jéhovah Nissi. Il combat pour nous tous les mauvais esprits. Et toutes les tentatives au désir de la chair. C'est un Dieu de paix. Jéhovah Shalom. Il nous a donné la paix par son fils Jésus-Christ. Le prince de la paix. Frères et sœurs, Jésus-Christ, si vous aimez Dieu, il intervient dans votre vie et suit toutes vos traces. Qui est le peuple de Dieu? C'est le peuple qui est né de nouveau. Le peuple qui reconnaît que Jésus-Christ est mort et resté pour nous sauver. Jérémie chapitre 24 verset 7 nous dit: je leur donnerai un cœur nouveau, un cœur qui reconnaît que je suis Dieu, un cœur qui respecte mes commandements. Dans le livre de Tite chapitre 2 versets 11 à 17, la grâce de Dieu sous le salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Au convoitise mondaine. À vivre selon le siècle présent. Selon la sagesse et la justice. En attendant la bienheureuse apparition de notre Seigneur Jésus-Christ pour sa gloire. Qui s'est donné un peuple. Qui est zélé pour son œuvre. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont mis en pratique ses commandements. C'est là le peuple de Dieu. Il nous a appelé un peuple saint. Une nation, une race élue. Un saint sacerdoce. Un peuple de sacrificateurs. Tous ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de Jésus-Christ constituent le peuple de Dieu. Tous ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur constituent le peuple de Dieu. Frère et sœur Jésus-Christ, as-tu reconnu Dieu comme ton sauveur? As-tu renoncé à tes œuvres mauvaises? As-tu cloué ton vieil homme sur la croix? Où continuent tes mauvaises œuvres maintenant? Mais le Dieu t'a fait appel ce jour. Il est à ta porte, il frappe à ta porte. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Fais part de son peuple pour hériter du royaume des cieux. Fais partie de son peuple pour hériter du royaume de Dieu. Frère et sœur dans Jésus-Christ, tu connais qui est Dieu. C'est un Dieu saint. Il veut que tu sois saint. Si tu es saint, tu appartiendras à son peuple. Tu seras heureux. Sois béni. Soyez béni. Soyez bénis. Que la parole abonde dans notre cœur. Soutenons pas cette parole. Chantons ces cantiques.
Loue le Seigneur pour ses bienfaits. Que devienne sa parole. Répentons-nous. Le Seigneur revient bientôt. Pour donner à chacun selon ses œuvres. Amen. Nishe.